Artiste rare, la pianiste Maria Joël Pires était vendredi 8 avril sur la scène de l'Auditorium Rien 3 pour interpréter le concerto numéro 9 Jeune homme de Mozart. Maria Joël Pires est une femme chaleureuse, tout entière tournée vers les autres et la vie. Depuis les années 70, elle se consacre à la réflexion sur l'influence de l'art dans la vie, la communauté et l'éducation. On voit la musique disparaître des écoles. Avant, les enfants jouaient toujours, chantaient. C'était essentiel, chanter en chorale à l'école, avoir cette communication à travers la chanson, avoir le partage avec les autres. Et donc lier l'art à la vie, au lieu de faire l'artiste, c'est les artistes, et puis les autres. Et ça, c'est peut-être un faux mouvement qui ne mène à rien. Et les enfants devraient être toujours éduqués avec la présence de l'art qui les éveille et qui les rend plus généreux, plus gentils, plus intelligents et plus capables. Également au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la symphonie numéro 1 Le Printemps de Schumann et l'ouverture du Songe d'une d'été de Mendelssohn sous la direction de Kazuki Yamada.